bravo. L'enfant gnote et avec sa grand-mère. Sa maman est allée à l'école, sa maman est enseignante. Et l'enfant gnote a 2 ans, c'est une fille. Et elle a été malade. Et pendant qu'elle a été malade, sa maman a constaté sa maladie. Elle l'a amenée au centre de santé de Niassi. C'est à 4 km du village où nous sommes, village Boulambo. Le diagnostic des infirmiers, le personnel soignant a dit que c'était le paludisme dont l'enfant souffrait. Et elle a été soignée pendant 3 jours au centre de santé. Et après, elle est sortie. Et voilà que l'enfant est à la famille ici. Et elle s'est portée bien maintenant.